Et salut à tous, c'est Off, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 1. Et oui, on est sur Destiny 1, toi-même tu sais, les packs opening. A chaque fois les gens ils viennent sur cette vidéo, ils veulent voir est-ce que je vais avoir de la chatte ou bien est-ce que ce sera pas le cas, est-ce que la puissance est avec moi ou pas. Et comme d'hab, c'est d'habitude, tu vois, s'il y a des pouces bleus, il y a de la puissance. S'il y en a pas, bon bah t'as compris. Donc bon, on va voir très vite ce qui va se passer, hein, j'espère réellement, j'ai besoin de cette tenue, tu vois. Il faut que je passe à autre chose, tu vois. Il faut que je continue mon aventure sur Destiny 2, tu vois. Parce que faut savoir que la chance sur Destiny 2, ah bah elle est présente, hein. Elle est présente, hein. Les openings égale exotique, hein. Donc bon, là c'est du légendaire, frère. C'est censé être de l'an 2. C'était les premiers DLC. Enfin bref, il faudrait quand même avancer, quoi, hein, et avoir ses équipes. Bon, bah, de toute façon, let's go. On va voir directement là. Il y a, allez. Dans le monde du loup. Oh, attends, parce que là, c'est la team one, ça. Attention. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est la team one. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est du Super Saiyan un peu, ça. Regarde. Oh, c'est... Oh my god. Ok, bon, c'est pas mal. C'est quoi? Bam, voilà. Allez, hop, c'est équipé. Qu'est-ce que tu veux? On veut cette tenue, tu vois. On met un maximum de choses de notre côté, vas-y. Et coup de minuit. Vas-y, allez, vas-y. Je sais même pas à quoi ça sert. C'est pas grave. Ça va, on a des interactions, etc. Toi-même, tu sais. Le truc, c'est qu'il faudrait quand même avoir des tenues. Mais bon, il y en a des interactions, hein. Si il faut que j'achète toutes les interactions avant d'avoir la tenue, il y en aura des packs opening. Allez, let's go. Tu peux le faire. Il peut pas le faire. Ah oui. Dieu, quand on merde aussi, hein. Bon, allez, le dernier. Est-ce que c'est possible d'avoir la tenue? Ça, c'est une galère, hein. C'est une galère pour avoir cette tenue. C'est un délire, hein. Je crois que l'année prochaine, je serai encore là, hein. Ça reste d'être galère. Ça arrête d'être galère. Donc là, ce serait bien que Destiny 1 me chie pas dessus. Qu'est-ce que j'ai dit? J'en ai marre. Putain. Mais non, mais la chance n'est plus. Depuis que je suis sur Destiny 2, Destiny 1 se sent... Aïe, le mec se prend pour Jimi Hendrix, ça va, il en peut plus. En fait, depuis que je suis sur Destiny 2, que j'ai quitté Destiny 1 le sait. Destiny 1 le sait. Veux-tu... Il faut que je... Peut-être que je joue plus sur Destiny 1. Peut-être. Peut-être serait-ce la solution, hein, de refaire les raids, histoire de déverser le karma qui ne veut pas. Enfin bref, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que t'as apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu connais la chanson. Tu mets un pouce bleu, ça fait plaisir. Donne-moi la force. Et franchement, j'espère vraiment que la semaine prochaine, je vais avoir quelque chose de bien. J'espère, parce que là j'ai eu l'hurlement des loups, ça va. On va dire ça réconforte le pack opening, mais c'est pas ce qui garantit le reste, tu vois. Genre le reste, c'était de la perte, c'était de la perte. Enfin bref, on se laisse ici. En bonne montre, c'est pas, vous connaissez la chansonnette. Activation de cloche pour quand je suis en live, vous avez la petite notif. Et on se dit à très vite pour le prochain pack opening. Allez, à plus.